Bienvenue au village Bassé à Finistère, dans un endroit magnifique, les ateliers des Capucins. Un endroit ouvert au public, où la French Tech, ou la cantine numérique, où tous les acteurs de demain qui font l'innovation sur le territoire finistérien se retrouvent. C'est un lieu magique qui allie l'histoire de Brest par toute son histoire industrielle et puis peut-être l'histoire que nous sommes en train d'écrire pour demain avec les start-up et le village Bassé. Nous, il nous a semblé judicieux d'intégrer le village Bassé, parce qu'on trouve que c'est une manière innovante de mettre en relation les intervenants du secteur localement, mais aussi à l'international. C'est aussi pour nous la possibilité finalement de suivre des ateliers qui sont formateurs pour nous permettre justement de développer l'activité en commettant le moins d'erreurs possible. Donc ça va être des ateliers par exemple d'aide au recrutement, des ateliers liés à la comptabilité d'entreprise, donc des sujets sur lesquels on n'est pas forcément expert. S'appuyer sur une structure comme le village est tout à fait primordial parce que nous profitons du réseau très diffusé de la présence du Crédit Agricole sur le territoire. Eh bien, nous y voilà, le village Bassé à Brest, le 15e du nom. Donc il rejoint déjà l'ensemble des villages qui sont créés sur le territoire national pour créer cette grande communauté village Bassé à. Qui accompagne aujourd'hui plus de 300 startups, mais aussi qui est accompagné par 300 partenaires, avec une devise simple, forte, mais je crois lisible, coopérer pour innover.